Salut tout le monde, c'est Julien. Comment allez-vous depuis le temps qu'on ne s'est pas vu? Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Tout à fait normal étant donné que j'étais en train de gérer mon entreprise petit à petit, la mise en place et tout. Enfin, vous avez l'habitude avec moi. Ça change. Et je suis de retour via mon portable étant donné que mon casque est mort. Je n'ai plus de casque. Je referai peut-être des vidéos sur mon ordi avec un nouveau casque. Quand j'aurai le budget, parce que là pour l'instant, le budget, il est totalement inexistant. Qu'est-ce que je vais faire sur la chaîne? Ouh là là, vous allez me dire, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu Marc ou Julien. Je vais rester sur Julien, c'est mieux, je préfère. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu Julien. Depuis, il nous faisait quoi? Du jeu vidéo. Alors je vais vous dire honnêtement, le jeu vidéo, ça fait 4 mois. Ça fait peut-être 3 ou 4 mois que je n'ai pas fait de vidéo moi sur la chaîne. Attendez, je vais vérifier. Mais ça fait 3 mois que j'ai complètement arrêté le jeu vidéo. Je n'ai pas retouché un jeu vidéo depuis ma dernière vidéo qui c'était. Attendez, je vais vous dire ça en direct. Ma dernière vidéo, c'était sur. Oshkosh, EMT Euro Truck Simulator, qui date du 10 février 2021, et nous sommes déjà le 21 avril. Donc ça fait plus de 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi, vous allez me dire pourquoi? Tout simplement, je vous avais déjà prévenu, je suis en création d'entreprise. Donc j'ai créé une entreprise dans un domaine qui malheureusement n'a pas marché puisque j'ai eu plein de mauvais rebondissements. Mais j'avais toujours ma solution de secours, qui est ma solution de secours d'un amour depuis des années et des années, qui sont les cartes Magic et les cartes à collectionner. Car pour l'instant, j'ai du Magic, mais je ferai certainement aussi un petit peu de Yu-Gi-Oh! Et un petit peu de Pokémon. Voilà, Pokémon, voir un peu, découvrir un peu ces éditions que je n'ai jamais, enfin ces cartes que je n'ai jamais découvertes. Je ferai aussi un petit tour du côté de nos amis de. Comment ça s'appelle? Final Fantasy. J'essaierai peut-être de faire du Final Fantasy aussi. Et donc, je suis en train de créer ma petite entreprise autour des cartes Magic, qui sont ma passion depuis maintenant plus une vingtaine d'années. Parce qu'on va dire que je suis passionné depuis que je suis avec Orphéa. Voilà, ça fait quand même quelques années qu'on est ensemble, ça fait 20 ans. Et j'ai repris Magic au début où j'étais avec elle, puisqu'à Reims, on avait la possibilité de jouer assez facilement Magic. Et j'ai fait une pause pour les deux enfants, quand Lucie et Violette, qui est logique, je pense, tout en ayant toujours un œil sur ce qui sortait dans Magic. Ayant deux projets professionnels l'année dernière, dont un qui s'est malheureusement terminé en plus rapidement que prévu, voilà. Et je vous préviens tout de suite, je vais arrêter tout ce qui est vidéo autour de la survie, EDC et tout, il n'y en aura plus sur la chaîne. C'est un domaine qui ne me plaît plus. Je ne vais pas m'étendre dessus, c'est un domaine qui ne me plaît plus, donc vous n'aurez plus de vidéo d'EDC, vous n'aurez plus de vidéo de survie sur la chaîne. C'est un domaine qui m'a plu, c'est un domaine qui m'a intéressé. Maintenant, je pense que je suis arrivé au bout, hein. Je connais à peu près tout ce que j'ai à faire. Et je n'ai pas envie de faire de vidéos dessus. Tout comme les vidéos autour des jeux vidéo. Jeux vidéo pour le moment, je n'y touche plus du tout. Je n'ai même plus les pieds sur Armored Warfare. J'ai même supprimé Armored Warfare de mon ordi. War Thunder, Euro Truck. Je crois que j'ai même plus Steam sur mon PC. Simplement parce que j'ai trouvé une passion. J'ai retrouvé une passion que j'avais déjà avant. Et qui intéresse toute la famille. Donc c'était Orphéa, les filles et moi. Magic, Lucie y joue. On y joue ensemble. Elle y joue depuis quelques temps maintenant, Lucie. Ça fait déjà au moins 3 ou 4 ans qu'elle joue à Magic facilement. Je suis en train de. On est en train, avec Lucie, d'apprendre à Violette à jouer. En Violette, pour l'instant, c'est très simple. Ce qu'elle fait, c'est compter le mana, poser les créatures avec le mana. Voilà, tout simplement. Mais elle s'y met aussi. Puis Orphéa, bon, ben, elle joue, elle connaît Magic. Orphéa est plus collectionneuse que joueuse, mais elle joue aussi à Magic depuis des années. Et du coup, comme toute la famille se remet à Magic, eh bien, je suis à fond dans Magic et j'ai complètement abandonné les jeux vidéo. Tout simplement, on collectionne les cartes, on se promène dans les cartes, on voit un peu ce qu'il y a comme nouveauté.
Ce qu'on pourrait mettre dans la boutique et pourrait plaire aux collectionneurs aussi, puisqu'on a pas mal de collectionneurs qui s'intéressent à notre boutique. Et donc, ce qu'on pourrait leur proposer pour les collections. Pour info, je ne vous donnerai pas le nom de la boutique pour le moment, on verra d'ici quelques temps. On est sur Card Market, donc je ne sais pas si vous connaissez Card Market. C'est un très très bon site de collection de cartes à collectionner, que ce soit Magic, que ce soit Yu-Gi-Oh! Pokémon. Si vous ne connaissez pas, allez faire un petit tour, ça vaut vraiment le coup. Et donc du coup, moi je me développe aussi mon entreprise sur eBay et sur Rakuten. On a trois sites pour le moment. Peut-être qu'on aura un quatrième par la suite. Qu'est-ce que j'aime cette carte. Homicide dans cette version, elle est juste magnifique. Regardez comme elle est belle. Franchement, elle est magnifique cette carte. Je sais plus si c'était FNM ou spécial. Ouais, Amitié Interdite, elles sont superbes aussi. Hein. Voilà. Du coup, ouais, je vais relancer des vidéos IRL, comme ça, pour vous parler un petit peu des nouveautés, de ce que je vais avoir, de ce que j'ai reçu pour la boutique, ou même ce que j'ai reçu personnellement, puisque je rattaque ma collection de gobelins. Alors, ma collection de gobelins, elle n'est pas rangée. Alors, j'ai gobelins errants. Donc, vous voyez, j'ai des petits trucs à ranger, et dont un super gobelin que j'ai découvert la semaine dernière. Oh, j'adore ce gobelin. Si je pouvais l'avoir en premium, je serais ultra heureux. Le champion gobelin, il est juste magnifique, ce gobelin. Du coup, je refais mes petites collections, puis du coup, Orfea et des filles font aussi leur collection de cartes anges. Elles font les anges, elles sont passionnées d'anges. Donc, Orfea est passionnée d'anges, donc vous le savez déjà. Et du coup, elle recollectionne les anges à trois. Et Violette se fait une méga collection de Magic, parce qu'elle prend beaucoup de cartes pour mettre dans sa collection. Et du coup, elle adore les cartes Magic, les trier et tout. Et en plus, elle commence à bien lire les titres, et ça fait plaisir. Parce qu'elle a 6 ans, donc elle commence à lire comme il faut, elle commence à bien lire les titres, et elle commence à apprendre à jouer. Donc ça fait extrêmement plaisir. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais mettre sur la chaîne? Puisque je vous ai dit que la survie c'était fini, puisque je vous ai dit que les jeux vidéo c'était fini, eh bien sur la chaîne, on se retrouvera très régulièrement bah, sur du Magic Arena non commenté. Je vous le dis tout de suite du non commenté, étant donné que je n'ai plus de casque, je ne peux pas commenter. Et le budget étant mis énormément pour la boutique, même à 90% pour la boutique, 99% pour la boutique, surtout que. Il y a la nouvelle édition qui va sortir demain, vendredi, Strix 7, que j'attends avec beaucoup d'impatience parce que l'idée de mettre un peu des écoles comme ça me fait vraiment, ça me fait plaisir, ça m'intéresse. Petite mise au point aussi pour les ouvertures de boosters. Pour l'instant, je n'achète pas beaucoup de boîtes, assez de boîtes pour pouvoir profiter des boîtes de boosters avec les filles et avec vous. Donc pour le moment, je vais faire des ouvertures de boosters avec les filles. En solo, et on se refera un petit récapitulatif avec Monsieur Portable, là, qui est très bien d'ailleurs. Première vue fonctionne bien, il y a un beau plan. On a les petites pochettes là, voilà, c'est bien, ça c'est parfait pour mettre les cartes Magic. Et donc, dans un premier temps, je vais ouvrir avec les filles, et après, on fera le tour de ce que j'ai eu dans ma boîte tranquillement pour voir un petit débrief, et puis après, aussi une cotation des cartes que j'ai reçues, que j'ai eu en dotation dans la boîte tout simplement. J'ai récupéré une petite carte que je trouve magnifique aussi. Un Earl of Squirrel. Voilà, c'était une avant-première. Et celui-là, je l'adore énormément. J'adore cette carte. Donc, sur la table, là, vous avez quelques cartes bah, tout simplement qui vont rentrer dans la boutique durant la semaine. Voilà. Donc on a des homicides, on a du tribunal du conclave. Très bonne carte, un hein, tribunal du conclave. Moi, je joue blanc tout souvent. Et j'adore cette carte. Et après. Qu'est-ce que je vais vous proposer en fait sur la chaîne? Pour l'instant, j'ai encore pas bien fait le tour dans ma tête de ce que je vais proposer. J'avais mis sur un petit papier de l'ouverture. Alors de l'ouverture de booster ou alors du débrief d'ouverture de booster. Pour le moment, je pense qu'on va s'arrêter à ça. On va dire faire des débriefs de booster. Je vous annonce déjà tout de suite quelques boosters qui vont arriver. Demain, on va s'ouvrir avec les filles une boîte de Token Relic, Magic Arena Token Relic, la toute première extension, donc où il y a Liliana, où il y a Karn. Ça c'est pareil, demain soir ou après-demain soir, vous aurez un débrief et on va voir tous les tokens qu'on a eu dans la boîte. Et franchement, je ne sais pas si vous connaissez cette édition,
Je suis tombé dessus par hasard, je suis tombé sur une très bonne affaire parce que la boîte, je l'ai eue à 27 euros. 27 euros la boîte, je ne sais pas combien elle était vendue au début, je sais que les boosters ils étaient vendus entre 4 euros et 4,50 euros. Là, je l'ai eu à 27 euros la boîte de 24 boosters neufs et scellés, donc vraiment une boîte qui n'a pas été cheatée. Mais faites attention aux boîtes cheatées parce que peser une boîte ou peser des boosters, ça peut arriver très vite, hein. Méfiez-vous. Je vous réexpliquerai, on fera un petit tour aussi là-dessus de ce que je peux penser de ça. Donc, 24 boosters de token relique, et normalement, début de semaine prochaine ou milieu de la semaine prochaine, au pire, on devrait avoir la boîte Strix Event qui arrive pour pouvoir la déballer ensemble. Bon, j'ai pas d'amant première, hein. J'ai pas eu le budget avant pour me prendre une boîte plus tôt, donc elle va arriver normalement lundi. Puisqu'elles sont envoyées le 23, donc normalement lundi. Et du coup, on verra ce qu'on a dans cette boîte que j'ouvrirai certainement fin de semaine prochaine ou week-end prochain, tranquillement. On va faire ça au propre. Voilà. Après, j'ai énormément de cartes dans la collection. J'ai énormément de cartes qui sont arrivées en stock. Pour vous dire en gros ce que j'ai comme carte, j'ai 23 000 cartes dans ma collection pour le moment. Sachant que j'ai une boîte complète là qui m'attend. Déjà, toutes ces cartes-là vont rejoindre ma collection, vont rejoindre la boutique. Je considère ma boutique comme une collection, hein. Tout ce que j'ai en boutique, c'est ce que j'ai en collection personnelle. Et j'ai quand même quelques belles petites cartes qui vont arriver d'ici quelques jours dans la boutique et dans ma collection. Voilà, ça c'est du Modern Master. Je ne me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Et ça va arriver, tout ça va arriver en boutique. Et j'ai en plus une autre boîte aussi qui va arriver de boosters qui ne sont pas des boosters normaux mais qui sont des repacks. Et j'ai acheté cette boîte, première boîte, chez un vendeur sur eBay. Et j'ai adoré en fait. Il a fait des super repacks et en plus elles sont pas chères du tout. Et je lui en ai repris une deuxième boîte pour le plaisir, ainsi que des chemins vers l'exil, des édits diaboliques, enfin plein de petites cartes. Ah oui, si, pour la beauté de la carte, en fait. Pour la beauté de la carte, j'ai aussi des feux fictions qui doivent traîner quelque part. Parce que c'est déjà pré-trié, hein. C'est pas rangé, mais c'est pré-trié. J'ai les édits diaboliques, j'ai récupéré un édit diabolique foil. Alors ça ne vaut pas grand-chose au niveau de la cotation, mais ça vaut beaucoup pour moi parce que j'adore cette carte. Je ne sais plus où je l'ai mise. Ça devait pas être du Modern Master. Attendez, je cherche en direct. Ah, ça doit être dans cette extension-là. Voilà, un super édit diabolique. Voilà. Très très joli. Du Féo Fiction. Ça, parce que Féo Fiction, moi, c'est je suis un joueur du temps d'Apocalypse Invasion. Donc Féo Fiction, c'est pour moi, c'est mythique et je voulais rajouter dans ma collection. Et puis, pour le plaisir, j'ai rajouté de l'édit diabolique. x3, comme on joue souvent avec Lucie, et Lucie, ouh, des cartes collées, j'aime pas ça. Ouh la vache, oui, elles ont bien collé en plus. Attendez, je vais faire le massacre en direct là. Oh, j'ai des cartes qui ont collé l'une sur l'autre, c'est pas beau ça. Ça me plaît pas. Espérons que chemin vers l'exil, il n'était pas collé à ça. Il y en a encore d'autres. Ouais, une magnifique grenouille à sport quand même, premium. Très très belle. Et moi je suis un joueur du temps de comment d'invasion. Et je me suis fait vraiment plaisir à récupérer ces cartes-là. Et j'ai un chemin vers l'exil qui est perdu. Il faut que je vérifie cette boîte-là parce que j'aime pas quand les cartes collent. Et voilà. Donc on va se retrouver pour mes collections. On va se retrouver. Qu'est-ce que j'ai marqué là-dessus? Donc pour mes collections, donc les collections que j'ai dans mes stocks. Pour les news actu, je ferai peut-être quelques news actu, mais le problème étant que je n'ai plus de casque pour le moment, donc news actu ce sera un petit peu mis de côté. Voilà, tout simplement, donc pas de news actu, ou alors news actu comme ça en parole. Du Magic Arena non commenté, ça on en aura. Ouverture de boîte et des collections. Pour l'instant, je vais me faire trois petites catégories donc, sur la chaîne, et après, on fera peut-être. Du en IRL, si on essaiera peut-être de se filmer quand on joue avec Lucie ou avec ou voir les débuts du Violet sur Magic, ça pourrait être aussi marrant. Voilà, après on va voir, je vais mettre ça au fur et à mesure tranquillement, donc je vais dire à peu près 2 vidéos par semaine pour être sûr d'avoir
un planning tranquille pour pouvoir travailler aussi de mon côté sur ma boutique. Et on aura comme fond, alternativement, nos plateaux de jeu qu'on avait créés avec Orfèvre il y a quelques années, puisqu'ils ont 20 ans maintenant, qu'on avait créés avec nos petites mimines. Voilà. Donc je vais essayer pas de péter les cartes que je vais mettre à vendre dans la boutique où j'ai rentré dans ma collection. Comme un gros bourrin. Alors ça, j'ai pas compris parce que j'en ai commandé 4 identiques. Et comme vous pouvez voir, la dernière, elle est pas très identique aux autres. Bizarre. Ah, peut-être un oubli. 10 acrobates du feu Rakdos. Très très belle cette carte aussi. Et la dernière, c'est une dérive astrale. Voilà. Et voilà le plateau de jeu qu'avait fait. Je crois que c'était Orphéa, celui-là, ou c'était le mien. Non, ça devait être celui d'Orphéa. Et donc, on avait fait ça il y a 20 ans, quand on jouait à Magic, au début que j'avais repris Magic et qu'on était ensemble. Ça ne nous rajeunit pas. Voilà, donc, on va ranger les cartes. Et on va se retrouver certainement d'ici quelques jours pour découvrir, ben, dans un premier lieu, les tokens, les reliques tokens. Parce que là. Et je vais vous faire aussi du Magic Arena non commenté. Je vais faire certainement dans la soirée ou demain une grosse ouverture de booster parce que j'ai 50 000 crédits. J'ai beaucoup beaucoup de crédits. Et j'ai envie de m'ouvrir des boosters Strixhaven. Parce que je trouve que cette édition avec l'école des sorciers, je trouve ça assez sympa. Je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Et donc, on s'ouvrira certainement une dizaine ou une vingtaine de boosters ensemble. Et on verra ce qu'on a. Et gros point positif de cette édition, et qui me plaît vraiment, c'est qu'ils ont sorti des cartes archives. Ah, franchement, les cartes archives. Les cartes archives sont vraiment magnifiques. J'adore ce style qu'ils ont donné aux cartes archives. Ça change. Et en foil, elles sont encore beaux, donc sont encore plus belles. Voilà, donc du coup, on va s'ouvrir des petites boîtes tranquillement ensemble en live. Pas en live parce que pour l'instant, ben, pas de casque, pas de live. Quoique je peux faire aussi en live avec mon. Bah oui, je suis bête, je peux faire en live avec mon portable. Le seul truc qu'on ne pourra pas faire en live, malheureusement, c'est des vidéos sur Magic Arena. Mais bon, on va se faire du non commenté. Voilà, tranquillement. Et puis, ben, on va se retrouver très bientôt. Hein, voilà. Donc encore un gros point positif. Alors, merci aux vendeurs. Ça, j'ai acheté ça sur Card Market. Cet homicide, je l'adore et je le surkiffe. Franchement, il est magnifique. Le foiling est beau. Et en plus, ça me permet de faire un test de pouvoir si ça passe bien le foiling sur mon portable. À première vue, il marche très bien. Et la deuxième carte que j'adore aussi, c'est cet écureuil, Earl of Squirrel. Et franchement, je vais obligé, je vais en garder une déjà de base. Et après, je vais la mettre dans la boutique avec un très grand plaisir. Et j'adore vraiment. Il y a vraiment des cartes Magic que je trouve magnifiques. Et ce petit champion, ce petit champion gobelin. Alors moi, je vous dis tout de suite, je suis un gros fan de gobelins. J'ai toujours adoré le gobelin. Je suis un gros gros fan de gobelins. J'ai réussi à me faire un deck gobelin sur Magic Arena qui tourne magnifiquement. J'adore en plus mon deck gobelin. Vous allez en avoir du Magic Arena. Je vais en faire du non commenté. Vous allez avoir énormément de mon deck gobelin qui va tourner. Et j'adore les gobelins. Et celui-là, franchement, il est trop, trop, trop stylé. Voilà. Vraiment trop stylé. Hop. Puis après, les gobelins, j'en ai déjà des pelletés et des pelles à ranger. J'ai des petits coups du cultiste. J'ai hop, 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 du montagnard. Le champion gobelin. Le gobelin. Voilà, vous voyez, j'ai quelques gobelins à remettre dans ma collection. Celle-là, elle est belle aussi. Elle est super belle, cette carte aussi. Oui, champion gobelin, vous voyez, j'en ai déjà deux de côté. Et je fais aussi la collection des rats. Voilà. Les rats. Et le dernier, le bitnapper. Très très belle carte de gobelin, le bitnapper. Les cornes de direction ne répondent plus. Voilà. Très bonne carte. Alors, c'est un rituel, mais je garde. Et bien sûr, je vais faire la collection des quelques petits sangliers qui existent. On ira faire un petit tour dans mes collections. Ne vous en faites pas, on découvrira aussi la collection des filles autour des anges. Regardez, vous avez même le petit porchelier gobelin, pardon. Ça fait le flou, ça fait. Voilà, bon, on verra bien de toute façon. On verra bien quand que je re-regarderai la vidéo. Et puis voilà, et puis un gobelin enragé. Enfin, toute la bande de gobelins complètement hystéro et cinglés qu'on peut avoir dans Magic, que j'adore énormément. Voilà, on se retrouve très bientôt. On va s'arrêter là pour la première vidéo de retour.
J'espère que ça vous plaira. Si vous êtes passionné de Magic, ben n'hésitez pas à mettre des messages, hein. Je suis toujours disponible pour discuter autour du domaine de Magic et autres. Donc maintenant, on aura vraiment deux objectifs pour la chaîne qui seront ben, d'un côté Minecraft pour Orphéa, puisqu'elle va continuer bien sûr Minecraft malgré, enfin, bien qu'elle ait perdu sa map Ramsès 2. Bug ordinateur, hein, ça arrive malheureusement, et bug disque dur, bug ordinateur, mais elle va continuer des vidéos pardon, sur Minecraft. Et nous, on se retrouvera régulièrement à partir de maintenant sur du Magic l'Assemblée, Magic Arena, peut-être un petit peu de Pokémon aussi, ça dépendra si j'arrive à acheter une boîte, et on ouvrira peut-être aussi une boîte de Yu-Gi-Oh! Ensemble. Alors, je vous préviens que Yu-Gi-Oh! Magic, Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, je n'y connais absolument rien, mais je suis assez ouvert pour découvrir ce genre de nouveautés. C'est assez cool, et puis en plus, je pense qu'avec les filles, on va bien s'amuser à découvrir ces cartes-là. Je cherche une carte que je ne retrouverai pas. J'ai trouvé un gobelin, je ne l'ai pas là, c'est dommage. Il était bord blanc, c'était un héros gobelin. En asiatique. Je ne l'ai pas dans cette collection, dans cette boîte, peut-être que je l'ai déjà passé tout à l'heure. Héros gobelins en asiatique. Ça va aller directement dans ma collection parce que c'est très très rare. Eh bien, vous savez quoi? On la découvrira, on la verra peut-être à ma prochaine vidéo. Parce que ma prochaine vidéo, on ira se promener un petit peu dans la collection de gobelins aussi. Donc c'est pour ça. Donc je vous rappelle les différentes. Catégorie qui aura sur la chaîne, ouverture de booster et de deck et de voilà, ouverture tout simplement, ouverture de booster, voilà, c'est pas mal ça comme catégorie. Après, nous aurons la catégorie Magic Arena non commentée, et après, vous découvrirez mes collections. Voilà, tout simplement. Eh bien, on va s'arrêter là. Je vous remercie de suivre nos vidéos et à très très bientôt pour la suite.